Salut tout le monde, c'est Magby. J'espère que vous avez la pêche. Cette vidéo est un nouveau style de vidéo. Le concept est le suivant, je vais vous présenter un artiste brièvement, mais très très brièvement parce que moi et la théorie... Selon le thème, je vais écouter certaines de ses musiques et là je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête spontanément sans rien avoir écrit. Je vais laisser parler mon amour pour la musique. Eh oui, c'est beau, c'est très très beau. Comme ça, mon ressenti sera basé sur les émotions que m'aura transmis la musique. C'est une façon de partager ma passion pour la musique telle que je le ressens sur le moment. Pour le thème d'aujourd'hui, vous l'avez certainement vu dans le titre, ce sont les mélodies qui charbonnent. Si ce format vous plaît, charbonnez-moi la barre de pouces bleus et si vous êtes nombreux, j'en referai une. Sans plus attendre, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, je vais parler charbonnage avec vous. Vous le savez, dans une musique, tout style confondu, j'aime deux choses. Les kicks et les mélodies qui charbonnent. À chaque fois que je dis le mot charbonne, je rigole, voilà. Je suis très très bon public envers moi-même. Je vais donc vous présenter un artiste qui, selon moi, représente à la quasi-perfection la définition d'une mélodie charbonnante. Faites un maximum de bruit pour Atmospheres. Atmospheres est un DJ compositeur hardstyle néerlandais. On le connaît majoritairement depuis 2012. C'est là qu'il a signé chez Scantrax. À la base, Atmospheres est un collectif de 3 mecs. Mais Tim, celui qui reste, s'est fait lâcher par ses deux potes, un en 2012 et un en 2013. Et c'est donc ce jeune Tim qui est un champion pour me faire frissonner. Franchement, même les mecs qui fument des gros cigares comme ça là, en écoutant du jazz, ils kiffent, c'est obligatoire. Le mec, c'est un génie. Tu entends la mélodie direct, boum, coup de tête, boum, coup de coude, bim. Et pour te relever après ça, pff, mes couilles hein, tu peux toujours courir, fils. Et comme j'aime bien prendre sur la gueule, on va s'en écouter quelques-unes quand même. Voilà, mon texte s'arrête ici, voilà. Après ça, j'ai plus rien qui est prêt, hein. On va s'écouter la dernière en date, c'est What About Us avec Audiotrix. Pour information, la musique va sortir de cette boîte là-bas. Vous imaginez même pas les watts que ça envoie une boîte comme ça. Tu peux casser les carreaux d'une salle des fêtes avec ça, mon gars. Et même faire tomber les pieds des chaises, hein. Franchement, je vous ai pas menti, vous avez entendu les mélodies que ce mec peut faire. Mais putain! I'm dead, bitch. I need some water. Fuck. Ça te fait vibrer les émotions et tout, c'est... Franchement, c'est complètement dingue. Franchement, moi, quand j'entends ça, je suis transporté sur une autre planète. Hein. Vous m'imaginez, je suis là et d'un coup... Oh Magby, pourquoi tu barres? Reviens, attends-nous. On va s'écouter la suite de la musique, voilà, histoire de vraiment se mettre au clair. Là, ici, attention. C'est de la folie, sérieusement, je pourrais m'enjailler comme ça pendant des heures et des heures. Mais je crois que ma carte SD en aurait marre avant moi, en fait. La vérité, tu te mets dans ton lit, tu bades un petit peu. Oh, t'as une mauvaise nouvelle aujourd'hui, la journée était merdique, les collègues t'ont fait des crasses et tout. Enfin voilà, quand t'es dans ton lit, tu te dis putain, j'ai vraiment une vie de brin. Fais chier, quoi. Pourquoi ça arrive comme moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours été gentil. C'est à ce moment précis que tu prends ton casque, tu te le mets sur les oreilles, tu nous mets un petit truc des familles comme ça. Mais alors là, direct, tu passes du côté obscur au côté très très éclairci. Et ta façon de penser change instantanément. T'es dans la tristesse, cette mélodie, elle t'amène des ondes mais tellement positives, tellement gaietées que direct tu switches dans le bon côté du truc, quoi. Limite tu te dis, eh ben je suis bien content qu'ils m'ont fait chier. J'espère que demain ils me casseront encore les couilles, tiens. Et ouais, non mais c'est la vérité. Quand t'es pas bien, t'écoutes de la musique. Et ça marche aussi quand t'es bien. Aussi, quand t'es bien, si tu veux te foutre le cafard, y'a pas de soucis, t'écoutes de la merde. Et direct là, tu peux aller creuser le trou, elle est tapée sur la tête pour t'enterrer, y'a aucun souci. Donc on va s'en faire une petite deuxième quand même. On va pas s'arrêter en si bon chemin, hein, voilà. Alors celui-là, c'est un remix que Atmospheres a fait, mais c'est la folie. C'est de la grosse folie. C'est sympathique le petit bruit comme ça sur l'enceinte, hein, j'aime beaucoup. Toujours dans l'idée des mélodies qui charbonnent, vous allez voir le passage guitare, c'est de la grosse folie. Attendez, on va se le faire en vrai. On va se le faire en vrai. Bah ouais, Germain. Prends ta guitare. Bah ouais, hein, pourquoi faire semblant quand on peut faire pour de vrai? Et en plus, elle est très très bien accordée, j'en ai joué hier. Déchire, hein. Et même au niveau des poussières, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je m'en sers très très souvent, hein. Je souffle dessus, ça fait autant de fumée que deux paquets de cigarettes qui s'allument d'un coup, c'est... Bon, on va se le remettre, ce petit passage guitare, ou quoi là? Imaginez même pas le bien que ça fait, même pour de fou, c'est la folie. Ce petit passage m'a fait bien plaisir. En plus, niveau crédibilité, on était très très bon puisque c'est une guitare sèche et ce n'est absolument pas une guitare sèche dans le morceau. Mais voilà, on s'en branle, que j'ai envie de te dire. Même si on n'aime pas le hardstyle, ce passage-là, le mec chante hyper bien. Mais alors la mélodie, Atmospheres, là c'est pareil quoi. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive à ce mec-là. Non mais franchement, voilà, c'est presque un don de faire des mélodies comme ça, moi je trouve.
Je danse très très bien, vous avez remarqué? Je sais pas si vous m'entendez, mais je danse très très bien. Put your hands up! Bon bah les jeunes, je crois qu'on va s'en faire une petite dernière pour la route. Parce que là franchement ça fait quand même 40 minutes. Putain la vache, je vais chier au montage. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce format, où c'est un peu plus spontané en fait, où il n'y a rien de prévu, où je dis tout ce qui me passe par la tête. Et dites-le aussi si ça ne vous plaît pas, car c'est important de le savoir. C'est un test. J'aime bien essayer des nouveaux trucs moi. Et pour finir on va se mettre Release. Elle est hyper connue celle-là de Atmospheres. Release Hard Style. Allez, on se met le drop quand même, on peut pas finir sans mettre un drop qui charbonne, bordel de merde. Ah putain, ça fait du bien. Péter des kiffs, franchement, c'est trop trop bien. Je vous le conseille, voilà. On nous dit qu'il faut manger des fruits et légumes tous les jours, faut faire 30 minutes de sport par jour. 30 minutes de bonne musique par jour suffit amplement. Et franchement, vous serez en bonne santé toute votre vie. Et vous, au pire du pire, vous vous ferez opérer peut-être des oreilles parce que vous serez sourd. Mais voilà, à force d'écouter des trucs qui charbonnent, on se détruit les oreilles, mais les oreilles, pas les oreilles, hein, les oreilles. J'espère que le son de la musique sera vraiment bien, parce que voilà, je peux pas les mettre au montage, puisque sinon les copyrights vont me tomber sur la tête et la vidéo va être supprimée, voilà, bien casse-couille quoi. En attendant les amis, big pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel type de mélodie vous fait frissonner. Voilà, moi c'est ce style de mélodie qui me fait frissonner. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Ciao.